dans cette vidéo. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter une partie qui joue à l'Open de Vaucluse le 29 août 2021. J'avais donc les blancs. Mon adversaire voyait un élo de 1074. Il y a une grande différence des lots, mais malgré cela, la partie a été intéressante et pas si facile que ça à gagner. Vous allez donc voir. On commence par cavalier F3, que mon adversaire répond C5, C4, début rétis qui consiste à contrôler le centre par cavalier F3 et C4, case 5 et D5, cavalier C6, développe une pièce et lutte pour le centre, G3. De mettre le fou en fianchetto en G2, E6, ou G2, ou E7, développe une pièce, F6, poursuit le développement. Cavalier C3, développe une pièce. A6, sans doute pour pouvoir empêcher cavalier B5. D4, tout ce qui montre la présence des blancs au centre. Et menace d'ouvrir la position. D5, avec là une situation centrale quelque peu complexe. C prend D5. E prend D5. Roc, tour C1, place la tour sur la colonne semi-ouverte C, et attaque le pion C5 à travers le cavalier C3. B5, un coup très douteux. Maintenant, le cavalier et la tour sont sous le feu du fou G2. Et cela perdra sans doute perdre un pion. Par cavalier E5. Cavalier C6 est attaqué. S'il prend, le pion D5 va sans doute sauter. On protège son cavalier par fou B7. Je prends C5. Donc, je vais jouer aussi cavalier B5, gagner le pion. On gagne un pion. En effet, le fou se retrouve attaqué
Bessin, mais on ne pouvait pas reprendre en Bessin tout de suite. Moi, je n'ai pas vu ça, j'ai joué cavalier fou pour F6, dans l'idée de gagner le pion D5, d'éliminer le défenseur du pion D5. Là, on prend F6. B4. Et là, ce coup, si fou prend B4, cavalier prend B4, et la dame et le fou sont sans protection, et ça va perdre du matériel pour les noirs. Si dame reprend B4, fou prend B7. Donc les noirs n'ont pas joué fou prend B4, ils ont reculé en fou en B6. Et s'il avait reculé en A7, il y avait cavalier C7 avec des complications avantageuses pour les blancs. Dame D6 pour menacer l'invasion en C7 par la tour en C7 et attaquer le pion A6. En effet, dans ce genre de position ouverte, il ne faut pas perdre de temps, il faut attaquer, il faut activer ses pièces. C'est une case de fuite au roi, mais c'est un peu mou. Peut-être c'est mieux de jouer dame 7 pour attaquer sur B4. Là, les blancs envahissent le camp adverse par tour D7, place une tour sur la 7e rangée et attaque la dame.
changer dame, parce qu'il faut contrôler le pion en 6. Pour cela, la dame n'a plus qu'une case, c'est en A8. Et là, les blancs échangent les dames. Dame prend A8. B7 pour empêcher A5. Parce que normalement les joueurs jouent une blanc, les noirs jouent A5. Il y a tour prend B5. Noirs jouent tour E8, attaque le pion E2. E3 pour protéger ce pion et empêcher la tour d'arriver sur la seconde rangée. Essayer d'activer leur tour en jouant tour E4 pour attaquer le pion B4. Bon, là, le coup évident est A3, protéger ce pion. Et là, tour E6 était nécessaire pour protéger le pion A6. En jouant tour C4, les noirs vont perdre un second pion. Tour C4, donc une erreur. Vous allez voir comment. Simplement tour B6. Et là, les noirs ne peuvent plus sauver leur pion. Joue tour C1, échec, roi G2. Tour C4. Tour A1 ne servait à rien parce que tour A6 protège le pion A3. Là, je prends le pion. Et à ce stade, j'ai deux pions de plus. La partie normalement gagnée pour les blancs, mais il faut encore faire attention. Tour E4. Et là, ce coup était une erreur parce que je pouvais jouer tour A5. Ici, protéger son pion par tour E5. A4 qui gagnait le pion. En effet, le pion B coué ne peut pas reprendre. Il va se faire prendre au prochain coup. Malheureusement pour moi, je ne l'ai pas vu. Après tour 4, je joue roi F3. Tour E5. B6 pour lier, pour obliger la tour à rester sur la protection du pion B. F5, tour B7 pour empêcher le roi de sortir par roi F7 et taper à la fois sur le pion G et le pion B. G5. G4, F en G, roi en G, tour D5, roi H5, menace de gagner le pion H6. De venir en G6 avec la menace de mat tour B8 mat. Le roi ne peut pas venir défendre le pion parce que là il ne peut pas monter sur la 7ème rangée à cause de la tour. Donc il joue tour F5, contre-attaque sur le pion F2. Et là je joue un coup qui est très fort, roi G6, plutôt que de prendre le pion H6, car ça menace de mat. G8, puis tour B8 mat. Donc ça empêche de jouer la tour, ça oblige la tour à rester sur la colonne F pour pouvoir revenir à F8.
vas sans récupérer un pion, mais c'est une illusion, car pour B8, cela transpose dans une finale de pion qui est très facilement gagnée. Le seul coup, pour H8. Maintenant, on aurait pu abandonner ici, mais ils ont joué jusqu'au bout. G4. Roi G5. Roi E7. Roi prend G4. Là, avec 3 pions de plus, c'est très facile à gagner dans cette finale de pions. Roi E6. Le danger pour les blancs est d'éviter le pat, mais ce n'est pas très difficile. Roi à 4. E4. Roi B3. E5. Roi à 4. E6. Et la partie s'est achevée ainsi au 55e coup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.